Départ de l'épreuve principale, 950 mètres à parcourir. Alors il y a Street Bouncer, Step to Fame qui est sollicité maintenant. Street Bouncer à l'intérieur qui garde Step to Fame à son extérieur. Il y a également Chosen Dash, Ernie Executive, Power Beat, The Retreat, Raim à l'intérieur. Donc Street Bouncer qui dirige les opérations, environ 500 mètres à parcourir. Step to Fame est à son extérieur, Executive Power en parcours difficile en dehors. Chosen Dash est bien placé, Ernie qui n'est pas mal, il va se rapprocher. Beat the Retreat également peut se montrer dangereux avec Raim en queue de peloton dans la ligne droite finale à présent avec Street Bounce. Step to Fame va essayer de partir à l'extérieur. Il y a Chosen Dash côté corde également qui est là à l'extérieur. Executive Power, Beat the Retreat. Il y a Ernie qui termine fort avec Executive Power. Ernie qui va terminer le plus fort pour s'imposer. Ernie qui l'emporte sous la vente de Cédric Segeon.